liste des ROM hack. Il y a le Altered Platinum, Gold and Silver 87 Reforged. What the fuck? Pokémon Dark Fire. Il y en a tellement, hein. Je vais mettre un tweet au pire, mais on verra. Il est en train de flame Pokémon Uranium. En fait, ça me parle pas Pokémon Uranium. C'est pas que je suis en train de flame, c'est juste que franchement, j'ai la flemme de jouer à un jeu où c'est pas les Pokémon que je connais. J'aime bien avoir quand même une certaine base. C'est un pur banger, avec c'est trop ce que tu dis là. Ah ouais, non, mais peut-être. Mais pour l'instant, en tout cas, ça me dit rien. Pokémon Soul Silver Fusion. C'est quoi ce bordel? Tu fais des fusions entre tes Pokémon? Si c'est le cas, c'est marrant. Mais il faut que ce soit des fusions entre Pokémon qu'on connaît de base. Il a Ignite lui, hein, donc pareil, faut pas que j'aille trop deep. Il est, va passer level 2 sur ce prochain creep. Je recule, voilà. Il y a des creeps que je ne peux pas voir, hein, je le sais. Oh là, j'ai troll. C'est pas grave. J'ai 3 creeps de retard, c'est vraiment, vraiment ok. Il a mis sa potion, ça va avoir d'ici, je pense. Bon, Yone, il faut savoir que le match-up Yone-Sejuani, c'est ok, mais ça peut être un peu chiant. Je lui préviens, je préviens que c'est Ward, hein. Voilà. Non, j'ai raté le canon! Comment ça, j'ai raté le canon? C'est impossible de rater le canon à ce moment-là. Est-ce que c'est ce creep de merde qui m'a deny? Et que quelqu'un regarde quel creep m'a deny, parce que pour moi, il n'y avait aucun creep qui tapait le canon. Du coup, je me suis dit, bah, je vais lui mettre 2 autos et c'est bon. Bon, après, on a pris le kill, donc ça va. J'ai l'ego alors qu'il y avait Rek'Sai, c'est parfait. Non, j'ai raté mon auto. Attention, il a encore son net ou pas? Il doit encore l'avoir, non. Je peux pas trop faire le haut, faudrait que je back à un moment, moi. Je suis en ouf. À moins que je me fasse dive là. Non, je peux pas back de... sur une aussi grosse wave. Je peux pas rester trop longtemps non plus. Je vais passer level 5 bientôt. Je vais prendre mon level 5 et on sera bon. Voilà, il a trop fait le beau. Merci Rek'Sai. Magnifique bait qui a été proposé ici. Ah, j'ai du ping là, non? Ah, j'ai besoin d'être pour push ça. Hein. J'ai du ping de fou baiser. Je sais pas d'où ça sort, mais j'ai vraiment du ping. Ah, j'ai pas de mana pour mettre un spell, c'est horrible. Mais attends, on est d'accord que je lag là, non? Vous voyez... Est-ce que vous voyez le lag ou pas? C'est bien le sbire mage qui a dit le canon, ouais. Quel connard ce sbire mage. Alors, j'ai régène. Je vais pouvoir retourner sur ma lane tranquille. 30 MS. Il n'y a pas beaucoup de MS, c'est pas le problème de MS là. C'est un problème de latence, c'est même pas du ping. C'est quand je tape. Ça lag. C'est assez particulier, je vais pas vous mentir, c'est bizarre. Oh, what? Oula, par contre, monsieur, attention quand même. Ça reste quand même Yone, voilà. Ça tabasse Yone quand même. Allez, si là, je loupe pas ce canon, sinon je suis une salope. C'est bon. Oula, ça c'est mauvais ça, monsieur. Écoutez, j'aurais dû l'ignite. J'aurais dû l'ignite, je suis dépité, frère. Attends, à moins que... Oh, le blaze. Alors, j'avais pas prévu ça exactement. Moi, j'avais prévu qu'il soit sous sa tour de dash, de air et d'ignite. Mais bon, écoute, si jamais ça passe comme ça, y a pas de problème. Hein. Moi, ça me va. Hein. Bon, pour l'instant, on est bien. On est présent sur 100% des kills. Yone est présent sur 100% des morts. Il passe pas une excellente game, le petit cous. J'ai pas encore mon ignite, donc j'ai pas non plus envie de faire trop le beau. Il a stacké un peu son létal tempo en plus, donc. Quoi? Oh, il a le temps. Il a le temps de mettre son dash, j'y crois pas. Non. Non, je ne peux pas prendre Tabi dans une compo où il y a Fiddlestick, Harry, Varus et Nautilus. C'est interdit de prendre Tabi Ninja dans cette game. Enfin, pas Tabi Ninja, les coques en acier. Parce que bon, face à Yone, c'est très très bien, les coques en acier, mais contre leur compo, c'est de la merde. On ne va pas le faire. La ward, on va continuer de push. Faut que je fasse attention à un potentiel ultimate de Fiddle qui pourrait arriver sur moi. Après, je pense pas qu'il mettrait sur moi. Il mettra plus au mid, je pense. Après, on le connaît, hein, l'ulti ici. Hein. De toute façon, je le verrai. Si le Yone joue trop aggro, c'est qu'il a de l'aide. Ok, le Herald est bon. Alors, attention quand même à Fiddle, encore une fois. On a vu quelqu'un ici. Ok. Sur le radar de Rek'Sai, on l'a vu. Il est fou, lui. Tu veux sauter sur qui, sale malade, va? Toujours c'est Johnny Krakadik, mais c'est trop bien, c'est Johnny. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs de Madame Port, là, dans le chat, là? Tu sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils sont mis à jouer Madame Port, parce qu'ils m'ont vu jouer Madame Port, c'est trop marrant. Après, Madame Port, c'est fort, hein, mais c'est pas non plus si évident à jouer que ça, quoi. Il y en a un, de Scro. Je suis au TPC Chip depuis S7. Ah, écoute, je suis un joueur de Sejuani depuis le patch 4.21, quoi. Donc, je me rappelle encore de cette vidéo où j'ai mis, après avoir testé Sejuani sur le PBE, Sejuani, nouveau pic OP, parce que j'étais certain que c'était OP. Attends, oh, l'OMG, la décale de zinzin. J'avais trop envie de décaler au bot, mais bon. Ouais, le problème, c'est que là, Harry s'avance pas, quoi. On peut pas trop s'avancer, en fait. Je pense qu'on peut prendre la tour, hein. Après, on fait la tour. Dégoûté. Ah, quoi? Il est mort? On va la prendre, cette tourelle, hein.
Je sais pas comment Lyonnais est mort, mais la Tristana a l'air d'avoir des dégâts colossaux. Bon, le problème, c'est que son prix de Drake, l'âme, c'était une âme des nuages. Bon, ça va. Mais c'est vrai que ses Joanie en S4, c'était pas la même. Je me rappelle qu'elle tapait et après elle mettait des dégâts AOE avec le perso. Et c'était vraiment broken. Le R qui touchait tout le monde aussi. Même si tu le mettais en short range, ça touchait tout le monde. Tu pouvais des ultimates sur 5 personnes, c'était la folie. Bon, par contre, j'ai 2300 gold. Hein. Bon, 2500 maintenant. Peut-être que je songe à back un moment. Donc, on a la Prowler sur Exai. Je prends des HP, ce sera toujours bien. Qu'on a pris une tourelle mid. On a pris 3 plates au top. Ce serait bien de prendre 2 tours avec les plates. Et comme ça, au moins, on serait vraiment très très bien. J'ai pris des mercures, hein, même si vous savez, je fasse à Yone, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup trop de CC en face pour que je fasse des coques en acier. Attendez, j'arrive. Oh, pousse-moi. Oh, pousse-moi, mon ami. Oh, fais-moi une insec. Bon, ok, pas besoin. J'ai un peu de l'assist, je suis dégoûté. Ouais, la Tristana, elle est effrayante. Elle a déjà 135 CS à 13 minutes de jeu. Elle est big. On va prendre nous la deuxième tourelle. Est-ce qu'on peut push sur la T2? Non, ça me semble chaud quand même. Ah, après, on a vraiment une bonne combo pour push. Hein. On a de la Tristana, on a du Ziggs pour push. C'est incroyable. On va perdre la T1. Mais T1 contre... Non, on peut pas. Ok. On recule. C'est très bien ce qu'on a pris. Elle est morte. Oh, t'es loin toi. Dommage. Il s'est fait avoir par son ultimate avec Rek'Sai. Parce qu'en gros, il s'est retrouvé à sauter sur Harry qui était à l'autre bout de la map. Bah, c'est une bonne game lui. Il est en combien là? La Tristana, elle est en mode power farm. Prends les creeps, saute sur le gomp. Prends absolument tout. Oh non, mais va te faire foutre. Qu'est-ce que tu fais toi? Mais non. Oh what the fuck, j'ai pas pu lui sauter dessus. Dommage. Wow, les couilles. Je vais prendre une faune, ça me fera pas de mal d'avoir de l'ARM là. Vu les dégâts magiques que j'ai bouffé là, je pense qu'avec une faune je serais très très bien. Ouais, mais en fait le truc c'est que si je flash sur Varus et que je lui mets auto, on est bien hein. Le truc c'est que le Varus avait 2-0 quand même hein. Le Varus c'est fed en fait, j'avais pas capté mais il est vraiment fed hein. Ok, on a pris une tour, on a perdu le Herald. Voilà qu'on arrive à jouer les prochains objectifs. Bon, le Ziggs par contre il perd en 1v1 normalement face à lui. Ouais. Oh, il meurt. Il meurt, dommage. Bon, après, ça fait que le Yone revaut des golds. Ce qui n'est en réalité pas plus mal. Donc, la Tristana qui respecte, ils sont 3 top. On va être deux au top à vouloir défendre celle-ci. Ok. J'ai 136, c'est ridicule, hein. Mon farming est ridicule. C'est Varus AP ou pas? Non, c'est Varus AD. Ok. Donc, en gros, je vais voir si je me méfie tout simplement du R ou si je me méfie d'autre chose. Ok. Vous êtes mignon, mais bon. Faut sortir. Il va R. Ok. Bon, bonne chance à vous là. Hein. Après, ils ont quand même pris le Drake, donc ça fait un peu chier. Mais c'est pas une win con. Hein. En vrai de vrai, leur Drake c'est vraiment pas une win condition là actuellement pour eux. Je back, je vais aller top. J'ai pas de quoi acheter ma force de la nature encore. Mais bon, je pourrais vendre mon bouclier d'Orne pour acheter la force de la nature. Et après, je vais partir sur mon Fimbulwinter. On a pris T2, on va prendre T3. Claude Sol, on s'en bat un peu les couilles. Franchement, faut vraiment pas avoir peur des âmes du dragon. Généralement, il y en a quelques-unes qui sont vraiment clutch. Mais il y en a, tu dis, bon, sinon, c'est pas la mort, on va dire. J'aimais jouer le Fimbulwinter, mais ensuite, c'est trop dur de le build maintenant. Ah ouais? Il a été nerf item. Ah merde. Parce que moi, je continue de le build, mais ça se trouve, c'est de la merde à faire. Hein. Parce qu'on rappelle que je sors d'une pause de solo queue de 140 jours. Donc, en termes de stuff, en termes de build, etc., il se peut que je sois un petit peu perdu. Mais non, mais ils peuvent pas tous se faire catch comme ça, c'est pas possible. C'est interdit. Pourquoi ils veulent les feux, je comprends pas. Pire, c'est que c'est la Tristana qui est la 1v9 machine qui veut feu. Juste, on fight à 5 et on est bien, hein. Je fasse gaffe. Ok. Voilà. C'est facile. Enfin, où est la difficulté ici? Oh les gars, je vais me prendre un ultimate de Fiddle. Voilà, classique. Voilà, il est mort. Oh le 3-1-8, il me faut 2 kills. OMG, les 2 kills. Je les ai déchirés par contre hein, dans le fight. Hein. Le petit Varus, il s'est pris une Sejuani avec Gantelet Givante sur elle. C'est pas amusé. Hein. Oh, l'ultimate de Varus qui a été loupé. Allez, faut lui sauter dessus là. Faut lui sauter dessus, monsieur. Non, j'avais slow. Je
Tristana, fallait me follow. Wow. Oui, il m'a pas follow le con. Bon, j'ai mon Fumble Winter. Je vais partir sur quoi ensuite? Est-ce qu'un petit peu d'anti-heal ferait pas de mal là? Un petit peu d'anti-heal ferait vraiment pas de mal, hein. Je vais partir sur ma Turn Mail. Il y a deux BRK là dans la game. Il y a le sustain sur Harry, du sustain sur Fiddle. Il suffit qu'ils mettent une auto et que bah derrière ils perdent tout leur heal, donc c'est pas mal. Bleu stuff, j'avoue. Après, j'ai pas pris un skin bleu quoi. Putain, par contre, 4 de 9. Le 5-1-8 est finito. Ça sert pas mal à jouer, c'est Johnny. C'est très bien à jouer, c'est Johnny. C'est très sympa à jouer. C'est pas très compliqué en plus si jamais tu cherches un perso sur lequel tu vas avoir de l'impact facilement. Et pour peu que tu passes devant dans les. Dans ta lane, les mecs sont finis. Ils vont peut-être essayer de trade ça avec le Nash, hein, faire attention. Peut-être essayer de trade un. Non, ok, non, ils peuvent pas. Après, peut-être Varus Fiddle, ça suffit, hein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Varus Fiddle, ça suffit. Bonne chance à tous. Tu vas où? Reste là, toi, oh! Oh la bagarre. Salut. Et tu vas où? Tu t'attends à quoi, Nautilus, quand même? Ouais, c'est fini, hein. C'était sûr qu'ils allaient trade, tenter un trade Nash à côté. C'est de la merde. On peut pas leur retirer l'envie d'essayer, quoi. Oh, t'es fou, il a Gale Forcine. C'est un malade, ce mec. Ok. Il a encore un stack d'ult. Ok, il a plus de stack d'ult. Ok, GG, clean game. Le Nautique s'est fait lourdement bagarrer. Bon, après, j'aurais préféré taper sur d'autres gens, mais bon, écoutez, hein. Première game, première victoire, Madame Port qui marche bien. Tristana qui gagne, même si j'avoue qu'elle a été un petit peu négative à partir d'un certain stade, elle a quand même bien joué la game. Elle a mis des bons dégâts, elle a bien VS9, ça va. J'ai fait 16 000 de dégâts, putain. J'ai fait presque autant que la Tristana en réalité. Ça va, hein.